Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, là, pour la perte de gras, là, sérieux, ça n'existe pas. Là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 14. Cette semaine, on parle de blessures, de mobilité, d'activation musculaire avec Pascal Séguin, le Fit Physio. Donc, Pascal, tu veux te présenter un peu, qu'est-ce que tu fais? Ben, first, merci d'être invité au podcast Quantum. Donc, en fait, moi, je suis physiothérapeute, plus spécialisé sportif. Donc, je suis vraiment une grande clientèle variée d'athlètes, que ce soit fitness, en fait, beaucoup de fitness, beaucoup de CrossFit. Je suis les Braves de Valleyfield, donc du junior 3A au hockey, donc beaucoup de boxeurs aussi, donc c'est vraiment une grande variété d'athlètes, donc c'est toujours plaisant de traiter genre différentes blessures, parce que à chaque sport c'est souvent les mêmes blessures qui reviennent, et des patterns communs qui reviennent, donc aujourd'hui on vient parler de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que les blessures classiques, plus dans le fitness là, ici, puis comment qu'on fait pour régler ça sans nécessairement aller consulter un professionnel de la santé. Oui, fait que, première chose qu'on a filmé des capsules là-dessus, c'est, moi ce que je vois, c'est que j'évalue mes clients, puis là, manque de mobilité de cheville, ça arrive dans 85% des cas, tu sais. Pour imaginer ça, en fait, c'est que, quand tu descends sur ton squat, ton genou doit avancer vers l'avant sans que ton talon y lève. Exactement. Donc c'est ça la dorsiflexion qui manque chez beaucoup de gens. Donc toi, quand il y a quelqu'un qui arrive avec ça, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, ça, quand les gens viennent me voir à mon bureau, c'est pas nécessairement, c'est jamais arrivé à date que quelqu'un me le dit « Pascal, aide-moi, je manque de dorsiflexion de la cheville. » C'est plus souvent « Pascal, j'ai mal au dos, Pascal, je suis pas confortable durant mon squat, nanana, c'est peu importe qu'est-ce qui arrive. » Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans mon évaluation initiale, je demande à la personne de faire un squat. Pourquoi? Parce qu'un squat, c'est un mouvement de base. C'est comme, souvent, c'est important de squatter au gym. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est que le squat, ça fait partie de la vie de tous les jours. Quand tu vas à la toilette, ben, tu fais un squat. Quand tu t'assis dans ton char, tu fais un squat. Quand tu t'assis sur une chaise, t'es étudiant, puis monter assis, il y a des squats tout au long de la journée. Donc c'est un mouvement de base. On est supposé être confortable pour le faire. Puis c'est souvent illustré quand on fait des mouvements plus fonctionnels au gym, comme les squats. Puis encore plus. Pire quand, mettons, on fait de la mobilité, mettons, front squat, overhead squat, des mouvements qui sont un petit peu plus complexes, c'est là qu'on peut trouver des patterns. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chevilles vont être raides, puis ça va amener plusieurs compensations, que ce soit au niveau des hanches, au niveau des genoux, les genoux vont rentrer vers l'intérieur, le genou, genou valgum, peu importe, c'est des problèmes assez fréquents qui créent des douleurs, soit aux chevilles, soit aux genoux, soit au niveau du bas du dos, parce que le corps va jamais nous laisser instable, comme j'ai dit au moins 1000 fois aujourd'hui. Il va toujours nous trouver une façon de faire le mouvement. Donc, ultimement, dans la vie, soit que tu es capable de faire ton mouvement comme il faut, soit tu n'es pas capable, soit il y a des articulations qui vont être plus stiffes, puis d'autres qui vont pouvoir bouger un petit peu plus. Donc, les articulations qui vont bouger plus, c'est souvent au niveau du dos, au niveau de la hanche, ben, ils vont prendre plus de mouvement, puis ils vont compenser pour qu'est-ce qui bouge moins bien. Donc souvent, si on est plus stiff, mettons au niveau cheville, hanche, lower back, peu importe, au niveau des épaules, ben le corps va compenser, puis c'est comme ça qu'on se blesse à force de faire la surutilisation dans un patron de mouvement qui n'est pas optimal. Puis dans le fond, ce serait quoi un exercice ou quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer ça dans le gym, soit pré-entraînement, post-entraînement? Fait un peu comme on a fait aujourd'hui, vous pouvez aller voir les capsules YouTube, Instagram, Facebook, name it. Dans le fond, c'est de venir travailler le mouvement, c'est hyper fonctionnel. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, c'est dur d'imaginer ça si vous écoutez le podcast en voiture ou à la radio, peu importe. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut reproduire le mouvement que les os font au niveau de la cheville. Donc, first, il faut trouver qu'est-ce qui limite la cheville. Fait que, soit que c'est nos mollets, donc le muscle soléaire, c'est le mollet comme je disais tantôt, il y a deux muscles, gastroc, soléaire. Gastroc c'est plus la boule en haut, soléaire c'est le reste du muscle. Le gastroc lui est mis en tension quand la jambe est dépliée, donc quand la jambe est droite. Donc quand on est deep dans notre squat, c'est pas le gastroc qui est mis en tension, c'est le soléaire, right? Donc si ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, tu sais. Ah et tu sais tes mollets, moi, mais le gastroc c'est pas le problème, c'est le exactement. Soléaire, mais excuse de te couper. C'était l'intervention la plus pertinente ever, mais c'est exactement, c'est important d'avoir la bonne information.
Puis c'est souvent qu'est-ce qui arrive malheureusement, ça serait le fun que mettons sur Facebook et Instagram, les gros gourous du fitness y aient des informations, c'est que la qualité de leurs informations soit proportionnelle à la taille de leur following. Mais pourtant c'est pas comme ça, puis il y a beaucoup de gens qui vont suivre des gars qui ont plein de followers, mais c'est pas les meilleurs advice qu'ils vont donner au niveau du gym. Puis des fois les gens ils se blessent à faire un peu Mais une excellente quote que j'ai lue récemment, c'est que le gars écrit: Wayne Gretzky, ça a été un des meilleurs joueurs de hockey au monde. Quand il était coach, il a jamais fait gagner aucune équipe. Mm-hmm. Donc c'est pas parce que t'es ultra en shape que t'es compétent à entraîner du monde, que t'es compétent à amener du monde à la shape que t'as, tu sais. Fait qu'il y a une différence, fait que c'est ça qui arrive avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois le gars qui est méga en shape, t'es comme ah, le gars il connaît ça, genre. Mm-hmm. Il peut dire de la merde, puis on s'entend qu'on voit ça assez souvent. Mais c'est ça, donc, pensez pas que... Moi je pense fortement que tu dois faire ce que tu dis jusqu'à un certain point, tu sais. C'est sûr que si t'es complètement out of shape en tant que... Tu sais, même en tant que physio, tu sais, tu dis à quelqu'un de... Tu dois être mobile la cheville, pis toi, genre, t'es comme, tu pèses 300 livres pis t'es zéro mobile. Je trouve que ça enlève un peu de crédibilité. Par contre, t'as pas besoin d'être, de travailler pour le Cirque du Soleil pour être un bon physio, pis un coach, t'as pas besoin d'être gagné championnat national en bodybuilding pour être un bon coach. Mais par contre, je pense que faut que tu fasses ce que tu dis au monde pour expérimenter aussi, pour voir est-ce que ça marche vraiment ce que je dis, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Juste, j'avais vraiment aimé ce quote-là. Wayne Gretzky, meilleur joueur au monde, mais pas le meilleur coach. Donc c'est la première fois que je l'entends, mais c'est en fait c'est vrai. Puis justement, j'écoute un podcast, en fait en ce moment, c'est je consomme vraiment l'information, genre quand je suis dans mon char, pas de perte de temps, plus sur Spotify, vraiment t'sais, les podcasts directs. Puis expliquer c'est quoi la différence entre être un instructeur puis un coach. Ça semble pareil, mais c'est très différent. Un instructeur va vraiment dire ok, fais ça, comme malheureusement plusieurs entraîneurs vont faire, alors qu'un coach va vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre la personne, voir les interactions avec, tu sais, poser des questions sur sa vie, comment qu'on peut prendre qu'est-ce qu'il y a dans le gym puis faire sortir ça en dehors du gym. Parce que qu'est-ce qui arrive, le fait est que tu sais, le corps humain, tu sais, là on va un peu dans le côté nerd puis back in the days là, mais tu sais, le corps humain, on est le résultat de millions et millions d'années d'évolution. Puis comme que je dis souvent, votre corps, il s'en fout de vous. Donc, soyez pas contrarié, mais votre corps, il s'en fout complètement de vous. Puis c'est juste une grosse machine d'évolution puis d'adaptation qui ne fait que répondre au stress qu'on lui applique à tous les jours. Donc, je donne toujours l'exemple. Si tu es une gymnaste, tu veux faire la split, ben il faut que tu fasses la split à tous les jours, 2 minutes, au lieu de faire la split une fois par semaine, 20 minutes. Donc, avec mes patients, je donne des exercices hyper ciblés et hyper spécifiques, puis j'en donne pas beaucoup parce que je veux que mes patients, mes clients, mes athlètes fassent qu'est-ce que je leur donne, parce que c'est ça qui donne les résultats. Moi, le corps en fait se guérit par lui-même, puis nous en physio on est comme des adjuvants à ça. On aide le corps à se guérir plus rapidement en réglant les problèmes, mais le corps réagit vraiment au stress qu'on lui applique à tous les jours. Donc quelqu'un qui vient me voir une fois par semaine va avoir beaucoup de résultats, mais quelqu'un qui vient me voir une fois par semaine puis qui fait de la mobilité à tous les jours que je lui ai dit de faire en ayant identifié les problèmes, tu sais, ça va être le niveau d'au-dessus, ça va être complètement c'est des résultats genre disproportionnés à travers tout ça. Puis on peut pas être des pockets physio, tu sais, je peux pas suivre personne, je peux pas, ça serait le fun là, mais ça marche pas comme ça. Mais c'est vraiment comme ça, tu sais, il faut en faire à tous les jours même si c'est pas plaisant. Puis une analogie intéressante là-dedans que je dis toujours en entraînement, c'est que pour ce que tu passes, c'est la même chose. C'est que si tu vas avoir un beau tan pour l'été, là, tu vas être bien bronzé, tu vas faire des petites expositions, souvent, mais pas longtemps, à un stimuli qui est le soleil ou les machines à bronzage. Si tu vas 4 heures dans une machine à bronzage, une fois par semaine, tu vas juste être brûlé puis ça progressera pas. Donc, pour l'entraînement, pour la mobilité, pour tout qu'est-ce qu'on parle, je pense que c'est toujours la même chose, des petites expositions constantes. C'est ça qui va faire en sorte que... Puis les progressions aussi constantes, c'est ça qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, tu vas avoir des résultats. Donc là, on s'est un peu en allant loin. Écoute, ça va toujours être comme ça. Là, on parle de... OK, mais là, on fait quoi pour, selon toi, là, gagner de la mobilité au niveau de la cheville? Exact. On trouve, c'est quoi le problème? Est-ce que si tu vas deep dans ton squat, au niveau de ta cheville va pas loin, c'est stiff, est-ce que first, ça bute en avant, tu sens que ça vient pincer devant ta cheville ou ça vient tirer en arrière? Si ça vient tirer en arrière, on s'enligne plus vers le soleur qui est raide. Si ça vient pincer en avant, on s'enligne plus vers, au niveau de la cheville, l'os principal qui est le premier qui vient glisser là, sur le tibia, ça s'appelle le talus.
si le talus il roule pas bien ou il glisse pas bien vers l'arrière, qui est le mouvement que l'os fait lorsqu'on s'en va en flexion dorsale, donc quand la cheville vient vers nous dans le squat, si ce mouvement-là est raide, ben on n'a pas une bonne biomécanique. Les os bougent pas bien, l'articulation est stiff, ne bouge pas bien, donc il faut venir travailler côté articulaire. Donc first, il faut identifier le problème, ce qui n'est pas toujours facile. Donc des fois ça peut être hyper simple, des fois ça peut être vraiment plus complexe. Fait que des fois, les gens, je peux comme pas les aider à distance dans des consultations. Faut comme qu'ils viennent me voir parce que je peux pas être magicien. Tu sais, je peux donner toute l'information que je peux donner, mais j'ai besoin de sentir avec mes mains qu'est-ce qui se passe pour pouvoir donner un diagnostic qui est vraiment précis à travers tout ça. Donc une fois qu'on trouve le problème, il faut le régler. À la cheville, c'est vraiment les deux exercices qu'on a montré tantôt. Soit la flexion dorsale avec l'élastique qui vient ramener le talus vers l'arrière, qui reproduit le mouvement du talus quand on va en flexion dorsale. Sinon, on rentre dans les mollets avec un kettlebell, un dumbbell, une balle, foam roller, avec les pouces même, si vous êtes courageux, vous avez des bonnes mains. Qu'est-ce qui est important, c'est de trouver les trigger points, puis rentrer dans le muscle qui est raide. C'est comme, je sais pas si t'as déjà fait un escalope de veau parmigiana. Non. Non? Tu utilises un petit marteau là, puis tu tapes okay. sur le poulet, tu sais, whatever. Mais si, même chose, si tu prends un rouleau à pâte pour l'attendrir, ben ton morceau de viande va être plus slack, plus mince, il va y avoir plus de mobilité dedans. Okay. Mais c'est la même chose avec le corps humain. Nos muscles comme des gros steaks. Si ton chest est trop tight parce que tu benches 3 fois semaine depuis genre 5 ans pis t'as jamais fait de mobilité, puis là t'es comme pogné genre hey salut, genre comme ça, c'est sûr que là-dedans c'est fibrosé. C'est sûr que le chest hyper stiff, il faut venir, le stretching va pas, dans un cas comme ça, va pas faire de miracle. Il faut venir rentrer à la source du problème, rentrer dans le muscle avec une balle, puis défaire les adhérences qui sont créées, genre même le muscle. Pour ma part, la fois que j'aime utiliser, je sais pas si t'as déjà utilisé ça, mais c'est de faire du seated calf raise avec des stretches de 30 secondes en bas. Donc, ce que je fais, c'est 30 secondes en bas, je stretch au maximum, puis en même temps, je tire mes orteils vers le haut pour activer le tibialis, donc... T'sais, un manque de un muscle qui est tight, ça peut être parce qu'il y a un muscle qui n'est pas activé dans l'autre sens. Donc, d'activer le tibialis, selon moi, j'ai vu des bons résultats avec ça. Puis tu stretches 30 secondes, tu fais une rep, tu contractes au top, tu stretches 30 secondes, tu fais une rep. Fais 2 à 3 séries de ça. Puis entre les séries, ce que je vais faire, c'est des tibialis raise, donc de lever, de faire le mouvement que le tibialis fait, donc de lever les orteils vers toi. Donc, tu t'assis sur le bord d'un banc, tu vas juste tirer tes orteils vers toi, vers le plafond. Puis, tu sais, 25-30 reps dans le même, je trouve que c'est un bon truc aussi qu'on peut faire, que j'avais vu des bons résultats. Mais je pense que ça revient au même, tu sais, c'est d'enlever les adhérences au niveau du solaire. Puis, mais j'aime ça, la mobilisation du talus, je trouve que c'est... parce que dans le fond, t'as beau faire les stretches que tu veux, si ton os, il bouge pas bien. Exactement, ça revient à trouver le problème. Tu sais, ultimement, mettons, nous en physio, si on apprend ça, qu'est-ce qui vient limiter ultimement ton mouvement, c'est soit... articulaire, donc les os, c'est soit myofascial, donc les muscles et les fascias qui sont par-dessus les muscles, parce que, tu sais, ultimement, par-dessus nos muscles, on est comme une grosse feuille de saran wrap qui sont les fascias, sinon les nerfs. Fait que les nerfs aussi peuvent être une grosse cause de mobilité. Si vous avez des sensations nerveuses, genre picotement, engourdissement, brûlure, choc électrique, vous avez probablement des adhérences nerveuses en quelque part, puis ça, c'est des sensations pas très confortables. Fait que dans le fond, le but, c'est de trouver quel mouvement. Qu'est-ce qui limite le mouvement, puis après ça on vient le travailler. Fait que des fois c'est moins facile, c'est plus nébuleux, puis ça prend un professionnel pour comme t'sais, évaluer tout ça. Donc ça c'est ma job, t'sais, entre guillemets. Pour revenir au mollet, c'est définitivement qu'est-ce qui va bâtir la masse, le time under tension, puis aller chercher une grosse amplitude musculaire, ça aide beaucoup. C'est sûr que plus on augmente le mind-muscle connection, plus on a une bonne connexion avec nos muscles qu'on est capable de recruter, on a de moins en moins besoin nécessairement d'aller chercher l'amplitude de mouvement. Si mettons tu regardes Phil Heath benché, il vient pas locker genre ses coudes, il vient faire ça, pec deck, il vient pas genre au bout, il vient chercher la contraction, mais ils ont tellement des bons mind-muscle connection qu'ils ont pas besoin de faire l'amplitude complète du mouvement pour aller chercher la contraction complète des muscles. Qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans le fitness, dans le bodybuilding, si tu veux faire de l'hypertrophie, le time under tension, c'est hyper payant. Donc, le nombre de secondes que ton muscle va travailler durant un set donné. Mais ultimement, tu n'entraînes pas les mouvements, tu entraînes les muscles. Donc, moi, je me tiens loin et je fais un gros X sur les gens qui disent tout le monde doit squatter à 90 ou tout le monde doit locker les elbows ou tout le monde doit faire ça, faire ça. Tout le monde est différent, tout le monde est fait pareil. Quelqu'un qui mesure 6 pieds 4 et qui est dans NBA, qui mesure 6 pieds 8, peu importe, va pas squatter
pareil comme quelqu'un qui mesure 6 pieds, 5 pieds 10, admettons comme moi, puis qui a des meilleures proportions, tu sais. Mm-hmm. Fait que, il faut se tenir loin de toutes les généralisations abusives, puis ouais. vraiment être individuel avec chaque personne. Puis c'est ça justement qui fait la différence entre un bon coach versus un coach qui est average. Mm-hmm. Savoir faire la distinction. Puis une affaire que je dis souvent, c'est que la pire affaire, selon moi, qui est arrivée à l'entraînement, puis sûrement dans la physiothérapie, c'est les règles. Les règles de l'entraînement. T'sais, ok, tu squattes pas à 90. Mm-hmm. Faut pas que tu benches. Tu benches toujours jusqu'au chest ou t'sais. Les règles vraiment précises, c'est que, comme tu dis, tout le monde est différent. Tout le monde. T'sais, si t'as une cage thoracique qui est très rentrée, puis t'as les épaules très rentrées, est-ce que tu devrais bencher jusqu'au chest? Mais je suis pas sûr que tu te rends. Tu te rends même pas, c'est ça, tu vas compenser. C'est ça, c'est que ça va juste être tes épaules, puis là tu te dis, voyons, pourquoi je développe pas mon chest? Mais c'est ça. Fait que. Ouais, c'est intéressant. Puis. C'est quoi, mettons, les blessures plus récurrentes que tu vois, mettons, soit dans le CrossFit, soit dans le bodybuilding, dans le fitness? Quoi tu vois souvent venir, mettons, une affaire qu'on peut discuter? My God, il y en a tellement. Je te dirais l'épaule. Ah oui, hein? Ouais. Et, ex aequo, épaule, lower back, le bas du dos, c'est aussi typique. Là, on pourrait parler des deux comme equal time, je te dirais, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens... Si mettons on parle juste de l'épaule, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont faire comme « Oh my god, moi j'ai tout le temps mal dans le dos mm-hmm. » Puis c'est typique. Je te dirais que ça peut arriver à n'importe qui. Si on commence par l'épaule, on a pas, j'ai pas Oscar avec moi, mon petit squelette que j'ai tout le temps à mon bureau. L'épaule, c'est une articulation qui est hyper instable. Mm. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que mettons, si on regarde un squelette, si on regarde au niveau des hanches, les hanches puis l'épaule, c'est une articulation qui est semblable. Il y a 3 degrés de mobilité, on peut aller dans tous les plans de mouvement. La hanche, La tête fémorale rentre direct dans le bassin, fait qu'il y a une excellente stabilité articulaire. Au niveau de l'épaule, l'humérus il pend, puis seulement il n'y a pas de stabilité articulaire, il s'accote juste sur une petite partie de l'omoplate qui s'appelle la glène. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ce sont un peu comme une balle de golf sur un tee de golf. Mmh. Très peu de stabilité, ça s'accote sur presque rien. Qu'est-ce qui va amener la stabilité au niveau de l'épaule? C'est les muscles, mmh. C'est le contrôle musculaire. Puis souvent, c'est ça que les gens ils vont manquer, c'est le contrôle. Même chose au niveau du dos. Si, comme tu parlais tantôt, le tibial antérieur, si tu as une inactivation du tibial antérieur, c'est sûr que tu vas moins aller en dorsiflexion, donc aller chercher un meilleur stretch au niveau de ton soleur gastroque. Donc à ce niveau-là, c'est important de donner des cues pour retravailler le contrôle. Puis un peu comme on parlait tantôt, c'est hyper spécifique. Mm-hmm. Puis une affaire que je vois beaucoup, moi, c'est que les gens prennent pas, portent pas attention à tout ce qui est rotateur externe, stabilisateur de la scapula, puis rétracteur rhomboïde, mm-hmm. trapèze médial, trapèze inférieur. C'est comme, exemple, je demande toujours en consultation lors de la première rencontre, c'est quoi sur une échelle de 1 à 5, à quel point tu sens tes muscles? Fait qu'exemple, tu sens vraiment bien ton chest, 5 sur 5. Mm-hmm. Mais le haut du dos, c'est quand je dis quand tu fais une rétraction, tu colles les omoplates, puis tu tires, à combien tu sens ça? Puis le monde sont comme, ben, quand je fais du dos, là, ben. Comme quand tu fais du dos, il y a plus, tu tires-tu pour le lat, tu tires-tu pour le haut du dos, puis je me rends compte que puis je teste musculairement, ça veut pas tout dire, mais tu sais, faire des tests de musculaire chaîne fermée, puis le haut du dos, c'est quelque chose qui est toujours, toujours faible. Fait que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais selon moi, prendre soin, entre guillemets, de travailler ces muscles-là, va augmenter la stabilité, puis par le fait même, va réduire les risques de blessures. Puis aussi, comme on a fait tantôt, ben, gagner de la mobilité aussi, au niveau des lattes, au niveau du petit pec, du grand pec, c'est quoi qui va te permettre d'aller chercher ces muscles-là? Parce que si, mm-hmm. quand tu fais un exercice de trapèze inférieur, si t'es pas capable de passer ton bras au-dessus de tes oreilles, c'est juste ton deltoïde. Fait que là, t'as besoin d'aller overhead, faut que tu dépasses ton oreille. Fait que, mais si t'es pas capable d'y aller, mais là, c'est sûr que t'es limité par un tagnesse, mais là, faut t'aller travailler ça. Mm-hmm. Mais je suis vraiment d'accord. qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, la diminution du contrôle musculaire fait en sorte que faut que tu fasses ton mouvement quand même. Fait que si t'as pas un bon contrôle, tu vas faire ton mouvement, mais tout croche. Puis on a pas vraiment une bonne proprioception. Parfois la proprioception, c'est la conscience de notre corps dans l'espace. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que je suis capable de sentir que je suis assis sur une chaise? C'est mon cerveau qui me renvoie cette information-là. Je suis capable de comprendre que je suis assis sur une chaise, tu sais. Mais si, admettons, je fais une rétraction scapulaire comme ça, puis je vais utiliser mes traps, ben peut-être que je pense que je le fais comme faux, mais tu le sauras pas jusqu'à temps que quelqu'un me dise « Hey, c'est pas de même pantoute. » J'évalue des gens, mettons, qui font des snatchs, puis qui sont overhead, puis là, ils sont tout croche, puis là, ils se sentent droit. Là, faut que je les filme, parce que ça leur prend le biofeedback. Faut qu'ils soient capables de voir, sinon ils vont même pas me croire. Mais après ça, je les mets droit,
Puis là, ils sont comme, oh my god, je me sens croche. Puis là, je leur montre, je suis comme, non, non, check, quand tu te sens croche, là, t'es vraiment droit. Puis quand t'es croche, là, tu te sens droit tellement que t'es habitué à être dans une mauvaise position. Donc, ça revient à dire tantôt, le cerveau va s'habituer à qu'est-ce qu'on lui donne comme input sensoriel. Fait que si t'es tellement habitué de bouger tout croche, pour toi, bouger tout croche devient la normalité. Donc, tu vas te sentir bizarre au début de bouger bien, mais il faut que tu transformes ce feeling-là d'être bizarre. Faut que tu te dises, je m'en fous que ça soit bizarre ce feeling-là, c'est ça la bonne affaire. Puis à force de le faire, ça va devenir l'habitude, puis tu vas transformer ce feeling-là en la bonne affaire. Donc les gens qui sont vraiment stiffs, qui squattent les genoux vers l'intérieur, qui n'ont pas un bon recrutement des fessiers quand ils squattent, qui ont un mauvais contrôle au niveau de l'épaule, ben ils vont justement avoir des douleurs souvent en antérieur parce qu'ils n'ont pas un bon contrôle, ils sont pas capables de replacer l'épaule à la bonne place. Puis les rotateurs internes justement sont, c'est des muscles à la base plus forts que les rotateurs externes. Donc même si tu fais de la coiffe comme ça, tu vas jamais réussir à renforcer tes rotateurs externes assez pour contrer le chest, les lats qui t'amènent en rotation interne. Donc t'as pas le choix d'utiliser ta coiffe en isométrique pour contrôler ta tête humérale lors du mouvement. Donc si t'as pas un bon contrôle, ta tête humérale part vers l'avant, là ça frotte, on appelle ça un syndrome d'abutement. Fait que des fois t'entendras pas le chr. Mais tu sais, ça arrive des fois, mais le monde qui me dit j'ai tellement mal quand je fais des front raise, quand je bench rendu en haut, quand je fais du military press, shoulder press, peu importe, ben mauvais contrôle, là, tes structures en avant deviennent irritées, il y a de la douleur, puis des fois c'est tellement intense que tu droppes le dumbbell, draw à 9 sur 10, t'es comme, on dirait que je viens de me faire stab dans l'épaule, mais ça arrive plus fréquemment qu'on pense, puis c'est un problème qu'il faut régler autant qu'entraîneur que physio. Si tous les entraîneurs sont capables genre d'expliquer comme il faut comment recruter la coiffe, comment recruter trapèze supérieur au lieu de l'angulaire pour aller contrôler l'omoplate, avoir un bon contrôle scapulo-huméral, on aurait tellement moins de blessés, ça serait... Exact. Puis ça me fait penser, c'est pas au sujet, mais je sais pas si t'as-tu fait des cours d'anatomie sur cadavre dans ton bac? Non, c'était un cours à la maîtrise. Moi, j'ai pris le cours de traumatologie sportive à la place. Je pouvais pas avoir les deux. Je l'ai fait deux fois. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir la coiffe des rotateurs. Chez une personne qui s'entraîne pas, tous les muscles de la coiffe sont vraiment épais. Parce qu'ils ont une seule fonction, puis il faut qu'ils fightent contre tous les muscles de rotation interne. T'sais. Fait que c'est fou parce que c'est, on s'entend, c'est gros de même ces muscles-là. C'est tout petit. Hein. C'est tout petit, mais c'est quand même assez épais. Là, vraiment. Parce qu'il faut qu'ils compensent justement avec ça. Fait que, mais. Puis comment tu parles de faire les contractions isométriques pendant que tu fais un mouvement, tu as de pousser un petit peu plus. C'est de la visualisation. Ok. Faut que tu le visualises. Des fois, on va donner des cues, fait que dans le fond, des indices pour le faire. Exemple, quand tu benches, tu vas dire, tu essaies de plier la barre en deux, comme ça. Tu sais, tu peux pas la plier la barre, parce que c'est une barre, tu sais, comment. Mais, tu as besoin de penser à le faire, créer de l'intention. La première fois que j'ai introduit ce concept-là, c'est je lisais MI40 de Ben Pekulski, classique. Que j'ai eu sur le podcast de pas long. Ah, mais non. Ouais. Pour elle, B-Pack. J'ai fait une interview. Dab, B-Pack, let's go! Mais écoute, j'ai tellement fait de gains sur MI40, c'est un workout très... Tu sais, tu peux pas faire ce workout-là si tu commences à t'entraîner. C'est impossible à tolérer toute l'acide lactique et la douleur qui vient avec ça. Peu importe. J'étais au début de mon bac, c'est avec ce workout-là que j'ai été introduit au... Comment tu décris ça? Il appelle ça le intention, là. Mais c'est de contrôler tes muscles pour apporter de la stabilité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que comme j'expliquais un peu tantôt, par-dessus notre épaule, on a une capsule. C'est comme un peu les petits bonbons au restaurant. Ton épaule, c'est le petit bonbon, puis ta capsule, c'est le wrap par-dessus le petit papier. Si ton petit papier, tu le mets vraiment tight, ben le petit bonbon, il bouge plus à l'intérieur, il est vraiment fixe. Ça, c'est ta rotation externe. Fait que si t'es overhead, tu crées de la rotation externe, t'amènes beaucoup de stabilité au niveau de ton épaule. Si tu benches, tu vas pas faire un mouvement de rotation externe puisque tes bras sont fixés sur la barre, mais tu peux quand même créer une force isométrique au niveau de ta coiffe pour apporter un torque en rotation externe. Donc là, tu viens pas tighter la capsule physiquement, mais le torque vient créer une résultante de force qui vient stabiliser au niveau de ton épaule. Fait que les gens qui ne sont pas capables de créer ce torque-là avec leur coiffe, ben font en sorte qu'ils se laissent emporter complètement par la dominance des rotateurs internes, puis ils benchent, puis ils ont les épaules comme ça. Quand tu benches les épaules de même, qu'est-ce qui arrive encore une fois? De l'abutement. Je crois que je vais faire ce bruit-là au moins 1000 fois pendant le podcast, mais tu viens frotter en avant, puis c'est comme ça que tu détruis ton labrum, c'est comme ça que tu surutilises tes structures au niveau de ton épaule.
Mais je trouve ça intéressant, tu dises que quand tu es en rotation interne de externe de l'humérus, ta capsule est plus stable. Mm-hmm. Donc ça veut dire que, parce que je savais que quand tu donnes un dumbbell press en prise neutre, j'imagine que tu as plus de stabilité au niveau de la capsule. Ça dépend dans quel mouvement. Plus t'es en, la hanche puis l'épaule, c'est la même chose. Plus tu es en flexion, plus c'est la rotation externe qui vient stabiliser. Okay. Plus tu es en extension, plus c'est la rotation interne qui va stabiliser. Okay. À faire attention, quand tu es en dip, tu es en extension de l'épaule, mais tu es en flexion du coude, ça va être quand même être la rotation externe qui va apporter la stabilité. Okay. Mais exemple, quand tu es en lunge ou en split jerk, la jambe qui est en arrière, elle, c'est un torque en rotation interne qu'il faut qu'elle fasse pour stabiliser au niveau de la hanche. Okay. Okay. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, au niveau de l'épaule, d'exercices là, qui c'est vraiment juste en extension comme ça, là. Mm-hmm. Mais plus au niveau de la hanche, là, dans la poussée, là, je te dirais, c'est plus la rotation interne. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau stabilité, bench, épaule, qui c'est en flexion, c'est vraiment la rotation externe, puis l'intention de la quad qui va venir apporter la stabilisation au niveau de l'épaule. Mm-hmm. Puis c'est important, puis c'est pas facile. Malheureusement, ouais. C'est vraiment pas facile, puis c'est ça qui fait la différence justement entre les coachs qui sont genre solides puis les coachs average, la capacité à faire comprendre. C'est pas parce que toi t'es capable, c'est comme Wayne Gretzky, c'est pas parce que toi t'es capable que ton client est capable, puis si tu y montes, puis t'es comme c'est le même, c'est ça. Lui il fait une te regarder, puis il est comme ben bravo, mais moi je suis pas capable. Fait qu'il faut que tu montes, tu sais, la capacité de montrer à ton client, à ton patient, peu importe comment le faire, donner les cues, puis donner d'autres indices puis d'autres indices jusqu'à temps qu'il soit capable. Si je peux pas, éthiquement, je peux comme pas te laisser partir de mon bureau si t'es pas capable, ouais, parce que peut-être que tu vas empirer ton cas si tu le fais de la mauvaise façon. Puis tu penses-tu qu'en rotation, parce que ça me fait penser à plein d'affaires, tu penses-tu qu'un overhead press, si t'as une rotation externe encore plus prononcée, tu vas activer plus les stabilisateurs de skip-là? Ben en fait, tu sais, oui, parce que si admettons, ça dépend comment tu fais ton mouvement. Cet exemple, c'est un dumbbell press en prise neutre. Ouais. Ben oui, parce que peu importe ce qui arrive, faut que tu crées ta rotation externe pour te stabiliser. L'affaire, c'est que plus t'es narrow, dans le fond, plus ta prise est, plus admettons, t'es comme ça en prise neutre, là t'as moins de mobilité au niveau, au niveau de ton épaule. T'sais, quand, tantôt, tu vas moins loin comme ça que si tu vas comme ça. Fait que c'est la différence entre finir avec, en snatch ou finir en overhead press. T'as quand même ton épaule qui vient créer de la rotation. De la rotation externe, mais à ce niveau-là, c'est pas du mouvement, c'est de l'intention. Parce que tu finis pas ton overhead press puis tu fais pas genre ça de même. Ouais. Tu viens pas genre essayer d'amener tes dumbbells genre vers l'extérieur. Tu viens juste créer un torque au niveau de la stabilité. Puis c'est ça qui vient genre stabiliser ton épaule. Deuxième chose, c'est plus dur de faire avec des dumbbells qu'une barre. Parce que là, t'es en ce qu'on appelle en chaîne ouverte. T'es pas en chaîne fermée parce que tes deux bras sont connectés par la barre. Fait que tu peux transférer comme du torque, puis c'est beaucoup plus stable. Ouais. Si t'as des dumbbells, là tu peux bend, tu peux tourner le dumbbell en rotation externe. Fait que c'est là que c'est encore plus difficile de créer l'intention puis le torque en rotation externe, parce que là tu peux comme pas te fier sur la barre qui plie pas, puis tu veux pas trop justement aller en rotation externe quand tu le fais, parce que tu veux garder, tu sais, ultimement le focus, tu vas avoir le focus sur le chest, c'est d'où là la difficulté, parce que tu veux que contrôler la coiffe, ça soit juste, ça soit une habitude, ça soit une intuition, puis ça se fasse automatique, puis tu veux juste focus sur ton chest. Le problème, c'est que quand t'entraînes le chest, ben tu focus sur ton chest, puis tu oublies la coiffe, puis c'est là que t'as pas de contrôle. Fait que c'est pour ça au début, c'est long, puis c'est pas facile, puis il faut comme que tu prennes un step back pour après ça faire deux pas de plus par en avant. Il faut comme que tu réduises tes poids, puis que tu ailles plus lentement. Mettons, au lieu de faire, j'ai l'habitude de faire de la force, mettons, plus faire des séries en 4-0-1 à la B-Pack ou des séries de 15 en 2-0-2, ça va brûler quand même, vous allez avoir des gains, là, il y a un gros time under tension, mais avec des séries plus lentes, c'est plus facile, avec des pas plus légers, c'est plus facile d'avoir un meilleur contrôle, puis après tu peux revenir en force, puis si un temps tu prends un break de force puis d'hypertrophie, puis tu vas juste sur plus de l'endurance qui va quand même faire de l'hypertrophie, on s'entend, tu vas revenir plus fort sur tes lifts après. Ah, ça va. Alright, fait que merci tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, le podcast, Quantum Training, partout. Pascal, on te suit où? Yes, même chose. Facebook, Le Fit Physio, Instagram, @LeFitPhysio. Fait que bientôt sur les podcasts et YouTube, mais principalement là, sur Instagram en ce moment. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sur mes vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé pour une consultation ou juste pour avoir des questions. Vous avez des idées de vidéos, vous avez des sujets plus précis sur lesquels vous voulez que je parle, ben n'hésitez pas, un petit DM. Puis... Tu veux te donner
un rabais spécial pour les auditeurs du podcast? Ben écoutez, honnêtement, tu sais, let's go! Si, vous, si admettons, vous m'écrivez avec le code... Quantum Podcast. Quantum Podcast, directement dans le DM, il y aura 15% de rabais sur les traitements, donc c'est fantastique. Excellent, fait que... Nice, l'improvisation, j'aime ça. Je peux pas dire que j'ai jamais rien donné. Oui, c'est ça, exact. Alright, d'accord, merci Pascal. Fait plaisir.